Alors, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment changer un contacteur feu-stop sur 306 ou sur une autre voiture. Alors, première étape, vous retirez le cache fusible par-dessous. Souvent, un tour de clé vers la gauche ou vers la droite et ça se déclipse. Voilà. Vous enlevez ensuite le cache en dessous du volant. Voilà. Souvent, il y a trois vis. Vous enlevez ça avec une clé Torx. Pour tous les caches au-dessus, ici, c'est la même clé. Ensuite, celui du dessus. Nous, on l'avait déjà enlevé à l'avance. Hein. Ensuite, vous enlevez le cache compteur. Il y a deux vis par-dessus et deux vis en dessous. Toujours avec une clé Torx. Voilà. Ensuite, là, baisse la colonne, non ? Vous enlevez carrément le bloc. Ah ouais, il y a deux vis. C'est les deux vis. Ici, les deux vis que vous voyez ici, c'est pour enlever le bloc compteur. Vous dévissez, vous retirez le bloc compteur. C'est pas évident. Hein. Baisse le volant. Ah oui, c'est vrai, il faut que j'enlève la vis. Bon, si vous n'arrivez pas tout de suite à enlever le bloc compteur, vous dévissez directement les boulons en dessous. Voilà. Donc, vous enlevez le bloc compteur, les amis. Si il veut venir. Ah ouais, parce que des fois, il ne vient pas. Voilà. Une fois le bloc compteur enlevé, alors, pour baisser le volant complètement, faire tomber la colonne, il y a deux boulons. Ils sont où les boulons? Ah, ils sont là. Voilà. Les deux boulons qui sont là, on les a enlevés pour pouvoir accéder à la colonne. C'est deux boulons que vous retirez avec une clé de 13. Alors, ce que vous voyez ici, le petit truc avec les fils, c'est le contacteur. Donc, vous tirez dessus, ça se déboîte. Voilà. Vous accédez au fil qui relie au contacteur. Vous enlevez la cosse. Voilà. Et on prend un nouveau contacteur. Voilà. L'idéal, c'est de le clipser déjà par en dessous, dans son emplacement. Voilà. Et d'y relier la cosse. Voilà, vous emboîtez bien, vous remettez le bloc compteur, vous remettez le cache compteur, et ainsi de suite, juste dans l'ordre inverse où vous l'avez démonté. Vous remontez le volant. Ici, vous remettez les boulons avec la clé de 13, comme tout à l'heure. Alors j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé à régler vos petits soucis de feu. Voilà. Et si vous voulez, on peut vérifier, ça fonctionne. Voilà, les feux fonctionnent. Merci la vidéo !